Bonjour, aujourd'hui la tour de Hanoï ou la pagode, hein, qui est devenue un classique des casse-têtes, qui va se jouer un petit peu comme le solitaire, c'est-à-dire un jeu qu'on va pouvoir reprendre régulièrement avant de trouver la solution à partir de 5-6 ans, hein, et puis après il n'y a pas de limite. Et vous verrez que ce sera toujours agréable de le reprendre, hein, justement, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous les casse-têtes. Alors voilà, ça se présente en boîtier, tout reste à l'intérieur comme ceci. Hein, on va monter la petite boîte comme ceci, d'accord. Les petits pics vont aller dans chaque trou. Et puis on va réaliser une pyramide, hein, donc avec une base, hein, de la plus grande vers la plus petite. On est ici sur la tour de Hanoï, 7 pièces. Hein, il existe des 9 et des 11. Voilà, là c'est la petite de base. D'accord. Alors, voilà la pyramide. J'espère qu'on la voit bien à l'écran. Ok, je vous la montre de côté sinon. Voici cette pyramide. Je veux exactement la même pyramide à la fin du jeu, à droite ou à gauche, comme vous voulez. Pour se déplacer, c'est un seul pion à la fois, d'accord, et on n'a pas le droit de mettre un grand par-dessus un petit. C'est-à-dire, là, je n'ai pas le droit de venir avec ce grand plus grand là sur le petit. Donc, il va falloir que je me place ici, d'accord. Sauf que cette pièce-là ne peut aller ni là ni là. Donc, il va falloir reprendre la petite pour la remettre par-dessus une grande pour libérer celle-ci. D'accord? Sauf que cette pièce-là ne peut aller ni là ni là à nouveau. Donc il va falloir repasser ces deux-là ici, mais on ne déplace qu'un seul pion à la fois. Donc un petit par-dessus un grand, un petit par-dessus un grand pour remettre le petit par-dessus le grand pour libérer celui-ci. D'accord? Mais imaginez bien que maintenant celui-ci ne peut aller ni là ni là. Il va falloir repasser encore et trouver les techniques pour pouvoir passer des petits par-dessus les grands, les petits par-dessus les grands, les petits par-dessus les grands, etc. Voilà, c'est une petite solution, hein, qui va prendre un bon petit moment. On reste bloqué, on reprend tout en position de départ et on recommence et on recommence et on recommence. Très très agréable. Je vous fais la solution en photo bien détaillée, point par point, sur le site, hein, justement, juste à côté, hein, solution en photo. Voilà. Donc amusez-vous bien une fois de plus, et puis vous verrez que ça, c'est pas un hasard si c'est un classique. C'est vraiment très très agréable à jouer. Bonne journée, amusez-vous bien.